vraiment, je connaissais pas du tout la Vanoise et c'est vrai que j'ai vraiment découvert quelque chose de sauvage et vraiment un vrai parcours montagne, et, un vrai parcours de scalpinisme comme on aime, quoi. Vraiment top. Ouais. On a une grande satisfaction parce qu'on a connu beaucoup de déboires avec nivologie ou météologie, toujours très, très compliqué. Et là, en réalité, cette année, ça a été totalement stable depuis une semaine. Donc, on a été dans des conditions même qui nous ont surprises puisqu'on a toujours travaillé dans l'urgence à adapter les parcours. Alors même que depuis lundi, on sait qu'on fait le grand parcours, le parcours d'origine. C'est toujours des courses qui restent gravées, donc c'est l'essentiel. Puis franchement, le coin, Pralognan, je ne connaissais pas du tout et je vais revenir, ouais. Enfin, ce que j'ai trouvé le plus dur, je pense qu'il y a le... Quand on arrive à 3000, j'ai eu un petit coup. La machine, c'est peut-être un peu dur, je pense, à l'altitude, pas trop habitué. C'est-à-dire que notre calotte glaciaire à Pralognan se situe à cette altitude-là. On a tout un tas de sommets à aller faire. Tout ce qui se passe au-dessus de 3000 mètres, eh ben on a pu faire absolument les sommets. On n'est pas allé jusqu'à Chasse-Forêt parce que c'est très ambitieux. Et c'est trop. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est pas très loin des 4000 mètres de dénivelé positif. Au-delà, c'est trop. Faut pas aller au dégoût. C'est déjà des épreuves majeures. On ne pouvait pas se permettre d'aller beaucoup plus loin. C'est marrant, quoi. C'est vrai que la descente, c'est assez sportif. C'est vrai qu'on n'en fait pas souvent au final. Et c'est vrai que c'est ce que je pensais, c'est dans les parties chousses un peu sur le glacier là. J'ai dit s'il y en a un qui tombe, j'aimerais pas voir le résultat parce que c'est vrai que ce serait vraiment à mettre dans vidéo gag, je pense. Musique.